Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Xbox Actu. Alors, pour les fans de FIFA, il y a une très bonne nouvelle. EA a révélé donc une date de l'arrivée du FIFA 23 dans le cadre d'EA Play. Et comme c'est EA Play, cela veut dire que le jeu sera aussi disponible pour le Xbox Game Pass. Et là, ça sera pour le 16 mai 2023. Du coup, la semaine prochaine, Inch'Allah, vous allez pouvoir jouer à FIFA 23. Donc, il y aura la version Xbox One, Xbox Series et XS. Par contre, pour PC, je ne sais pas. Mais normalement, ça sera pareil aussi. Je rappelle aussi, si vous ne le savez pas, vous avez normalement 10 heures de jeu qui sont disponibles via EA Play. Donc, vous pouvez lancer le jeu et utiliser vos 10 heures. Donc, quand le jeu sera disponible la semaine prochaine, vous allez pouvoir continuer. Allez, on continue avec Planet of Lana, qui est une exclusivité Xbox qui n'avait pas de date de sortie, mais cette fois-ci, on l'a. Donc, cette magnifique aventure 2D arrive sur Xbox Game Pass le 23 mai 2023. Du coup, ça sera dispo pour Xbox One, Xbox Series XS et PC. Vous allez incarner Lana, accompagnée de son fidèle compagnon animal Mouyi, et embarqué pour une mission de sauvetage pour sauver votre sœur. Planet of Lana mélange une histoire épique vous amenant dans un voyage spectaculaire à travers des paysages naturels époustouflants, avec une relation personnelle touchante entre Lana et Mouyi. Attendez-vous à rencontrer des créatures étranges et des machines dangereuses en vous déplaçant à travers des forêts luxuriantes, des grottes mystérieuses et des paysages désertiques arides au cours de votre voyage. La belle Odyssée hors terre est une aventure de puzzle plateforme peinte à la main dans une saga de science-fiction épique et illuminera votre écran très bientôt. En tout cas, moi, j'ai très hâte. Enfin, on va terminer cette vidéo avec une autre bonne nouvelle, mais pas pour tout le monde. Ça concerne les personnes qui sont aux États-Unis. Donc, alors, j'ai mis ça au cas où peut-être que vous allez bientôt voyager, on ne sait jamais, ou si vous avez des connaissances aux US. Il s'agit d'un avantage Xbox Game Pass. Donc, c'est du Walmart Plus qui est un service inclus dans le Game Pass. Du coup, ça va vous permettre d'avoir 115 jours de Walmart Plus. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez des livraisons de courses gratuites, des récompenses Walmart, des abonnements Paramount Plus, donc de 115 jours, et bien plus. En tout cas, on ne peut pas cracher dessus. J'aurais bien aimé que Xbox France fasse des partenariats comme ça avec des enseignes ici en France, et comme ça, on pourra en profiter. Mais bon, ça, c'est pas leur point fort. Voilà, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Que des bonnes nouvelles, hein. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.